La chasse aux œufs est ouverte. Si le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants ont assisté ensemble à la célèbre messe de Pâques, au château de Windsor, ce dimanche 9 avril, Meghan Markle et le prince Harry, qui n'étaient pas présents à ce rendez-vous annuel, n'ont pas oublié les traditions pour autant. Joyeuse Pâques à tous nos followers, ont écrit les parents d'Archie et Lily Bay, dans un message accompagné d'une vidéo, partagée en story de leur compte Instagram. Un contenu qui n'est pas récent, puisque celui-ci date du 4 avril 2021. À travers cette publication, les époux Sussex ont sans doute voulu montrer à leurs nombreux abonnés qu'eux aussi mettaient les petits plats dans les grands pour ravir leurs enfants à l'occasion de Pâques. Dans la vidéo qui a été partagée sur leurs réseaux sociaux, on découvre le frère du prince William en plein atelier décoration, tandis que sa belle-mère Doria Raglan est chargée de mettre les œufs de Pâques dans un sac. De son côté, Meghan Markle, enceinte à l'époque, semble superviser l'opération. Tous les trois prennent ensuite la direction de l'extérieur, afin de cacher les œufs dans leur jardin de Monte Quito, qui ne manque visiblement pas d'espace. Une organisation minutieuse qu'ils ont dû réitérer cette année, non seulement pour leur fils aîné Archie, mais aussi leur deuxième enfant, Lily Bay, née le 4 juin 2021. Supérieur à supérieur à George, Charlotte, Louis, Archie. Les vraies stars de la famille royale et Kate et William, quel programme pour George, Charlotte et Louis? Actuellement en vacances, les trois enfants de Kate Middleton et du prince William ont eux aussi été sans doute ravis de célébrer Pâques. En parallèle de la messe de Pâques, ils ont prévu de passer du temps en famille. Comme l'a relaté le Daily Mirror, les Cambridge adorent passer du temps dehors, au contact de la nature. D'après l'experte de la famille royale, Cathy Nicole, Kate Middleton tente d'une part de limiter les temps d'écran de ses enfants. D'autre part, la princesse de Galles souhaite leur faire découvrir les joies de la vie au grand air. Lorsque les enfants ont une pause, elle les emmène dehors, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, détaillait-elle. Elle veut qu'ils prennent l'air et qu'ils soient dans la nature. Elle aime cueillir des légumes avec eux dans les jardins. S'ils apprennent des choses sur les rivières ou la mer, William et elle essaient d'intégrer cela dans leur promenade. Des plaisirs simples, mais qui signifient beaucoup pour Kate Middleton et William. Crédit photo, Bakegrid USA.